dirais que ça te va vraiment bien, un bandeau. Mais merci. Ça, puis les cheveux plats. Ça va bien. Les cheveux plats plus souvent, please. Ah! Anthony. Bonjour tout le monde. On est déjà à bout. C'est Alicia Fred. Il est déjà à bout, le bon Anthony. Là. 10e semaine. Donc, on pense qu'il serait temps de vous révéler quelque chose d'important. OK. Qui se passe dans les maisons depuis le début de l'aventure. Oh my God, qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. Un gros fake, pour le moment. Cette saison, on a laissé entrer un gars et une fille qui forment un couple dans la vraie vie. Arrête! Impossible! What? Hey, je suis comme angoissée. Leur défi, se rendre jusqu'à la fin. Et s'ils réussissent, ils gagnent la somme de 50 000 $. On est au courant. C'est une grosse nouvelle. On vous dira pas c'est qui. S'ils veulent le faire, ils vont pouvoir. La décision leur appartient. On vous laisse absorber tout ça. À bientôt. Attends, quoi? Il y a un couple? 50 000! Je jure les boys que c'est pas moi. Toi et puis Matt. C'est pas moi, j'avoue le jeu! Ah, moi, je pense que c'est Matt, là. Puis le début, genre, c'est elle ou rien, puis genre, t'as aucun intérêt. Moi, Céline, j'en trouve vraiment suspicieuse. Moi, je suis vraiment hâte de Vincent. Ah, mais ça serait vraiment convaincant, là. Oh my God, imaginez que finalement. Non, mais c'est vrai. Okay. Là, mon cœur battait, là. J'étais comme, qui me traque? Moi, j'y créerais pas partout, là. Comment? Ça, j'y aurais pas cru une seconde. Mais non, mais c'est sûr, c'est un prank. Mais non, mais j'y crois pas en ce moment. Ouais, ça, mais c'est sûr, c'est un prank. Non, vrai, ça serait un prank. Là, ça we all know it's not real. C'est sûr qu'ils sont pas ensemble, ça, tu penses. Ah, c'est peut-être une autre maison. C'est un couple qui sont dans l'aventure. Ben, c'est peut-être une autre maison. Là. Ça ferait du sens qu'il y ait une maison mixte. On va vivre dans un climat de malaise. Là. Céline, elle est du Nouveau-Brunswick. Pas juste Samy, oh my God, non, non. Samy. Non, Samy, il m'a dit qu'il habitait la majorité du temps à Québec. Ça peut être un couple de filles. Oh shit, c'est vrai, man. Ouais, mais moi, j'ai pas envie que ça soit Anthony, là. Moi, j'étais en mode, n'importe qui, sauf Anthony, s'il vous plaît. Emma, c'est-tu toi? Non! Je le jure, c'est pas moi. Et on dit toute la phrase, je le jure. Ça regarde les gars un par un, puis là, je suis comme, c'est lequel? Moi, j'ai juste attendu mes parents, ouais, que j'ai déjà dit aussi. C'est vrai. C'est les animateurs. C'est pas moi. Dans le fond, ils viennent nous révéler combien ils gagnent. Ils gagnent 50 000 piastres chaque pour faire le show, en fait. J'imagine. Il avait fait de la même style de mal, tu sais, avec une taupe, avec les gars. C'était quoi déjà, hein? Moi, j'avais jamais non, non, mais ça, j'étais pas c'était voyage, juste, je pense. C'était, non, c'était juste les dudes. C'est ah, comme dans la maison des dudes. Ah, oui, puis il avait toi, dit... toi, tu disais rien. Mais non, il avait dit, il y a une taupe, c'est... Moi, je pensais que c'était moi. J'étais comme, les gars, il n'y a pas de taupe, là, c'est une joke. Moi, j'aurais embarqué dans le game, par exemple. Je vous jure, je l'aurais fait. Cette personne-là, je ne reparle plus jamais de ma vie. Mais c'est pas moi. Moi aussi, je l'aurais. Mais je sais pas pourquoi elle dit ça, parce que... À cause de toute la situation avec Jérémy, ça fait juste empirer ses intentions. Je sais pas moi, là, c'est de voir si Jérémy en parle. Bye! Oui, on a une hi, girls! Hey, boy! Oh, il est là, le petit coca! Je l'ai mangé mes émotions. Je comprends. Mais c'est pas vrai, c'est vous le couple. Honnêtement, je peux pas parler de ça. Je suis vraiment ici pour vous annoncer une activité. Je sais que vous posez 10 000 questions, mais on va vraiment... Tu sais, vu que là, on envoie tout le monde à l'activité énergie, puis on va bien aller. Ouais. On attache Alicia à la chaise, puis on leur fait des enfouis. Alicia? Ou Alicia? Oui! Ah non, ils ont ici pour vous annoncer une activité. Yeah! Aujourd'hui, je vous annonce une activité. All right! Let's go! C'est weird, on envoie deux candidats faire de la pêche en haute mer. Ooh. Au large de Malaga. Voulez-vous savoir c'est qui les chanceux? Let's go! Aimeriez-vous savoir qui sont les chanceux? Oui! Marie-Andrée. Mais... alors? Moi, j'enverrais Rebecca pis fucking Matt P. Ah, oh, c'est vrai, c'est vrai. On peut tout mais non, elle vient d'avoir un voyage. Matt P existe pas, man. Il est pas là. C'est vrai, t'as bien. Give me some Matt P, man. Le gars, il existe pas. En fait, on n'a pas besoin d'envoyer personne à la pêche. Parce que vous avez tous mordu l'hameçon. Ah! Ah! C'est bon. Matt P qui pensait enfin faire de quoi? Mais il va annoncer le voyage après ça, par contre. Matt P qui pensait enfin se mais il va annoncer le voyage après. J'avais tellement hâte de vous le dire, c'était excellent. Ah, les c'est toi, Pierre. Oh my God. Honnêtement, j'aurais vraiment, vraiment aimé ça que la twist soit vraie. Là. À chaque année, il y a un petit prank qu'on fait aux candidats. Alors cette année, c'était ça. Bien, c'est tout, les filles, je m'en vais vous rassurer. Oh. Oh. Merci, les boys, c'est tout. J'espérais que ça soit une annonce voyage. Là, c'est mercredi, mais ils vont l'annoncer. Dans... ben, c'est sûr qu'ils vont l'annoncer aujourd'hui. Est-ce qu'ils nous font? Oh my Lord. Ça va jamais mourir. Ça va jamais mourir. Ça va mourir en même temps que le show va mourir. Yo guys, ça va jamais mourir. Faisait une pièce à chaque fois qu'on le disait là. T'aurais fait au moins 20 pièces. En tout cas, ça me surprend qu'il ait pas mis le replay après de moi. Pour vrai, c'est vraiment surprenant. Ben, ils l'ont mis à date quoi deux fois là, depuis le début de la saison. On dirait que je me rends compte que je m'ennuie pas.
J'ai vraiment eu comme un wow avec ma discussion avec Jay quand je l'ai eu avec lui. Mais physiquement parlant, mettons, ça aurait été un gars comme Sammy que j'aurais trouvé beau. Tant que t'es pas capable de dire un nom ferme, je vois pas pourquoi que vous continueriez pas. Mais en même temps, je veux pas que ce soit qu'on soit pas capable parce que... Mon Dieu, mais c'est donc bien un argument. C'est donc bien le pire conseil. Mais c'est quoi la morale de l'histoire? Je sais pas c'est quoi la morale de l'histoire. Tant que tu l'aies pas à mort, là, je vois pas pourquoi tu continuerais pas. On comprend pas c'est quoi, mais le pire conseil de l'histoire, man. Tu sais, genre l'ami qui est tout le temps là pour toi pour être délusionnel avec toi. Avec toi, ouais, ouais. Ça, c'est définitivement Lara, là. Ouais. Genre, mettons, la fille arrive, elle dit « Oh my God, hier, mon chum, il est pas revenu coucher, puis je me suis fait envoyer des photos de lui à 14h du matin qui était aux danseuses, mettons. » Pis là, genre, il y a l'ami qui fait « Ben non, voyons, il est allé là parce que justement, la fille faisait penser c'est l'inverse, à elle, elle fait juste comme... Non, il vit le délire, genre. Non, elle fait juste vivre le délire de la fille à qui elle parle. Sammy, c'est un... Les gars, maintenant, pour rendre ça cool, c'est-tu allé ou Fred? Ceux qui l'ont pas, c'est 20 pas shop, OK? Pour rendre ça le fun. Allez, moi, je dis que c'est allé. Allez, Fred. Quoi, c'est merde? C'est ça qui est pas capable de se rendre à 20 pas shop. Allez. C'est toi aussi. Allez, toi. Allez, Fred. Et tout le monde? J'ai suivi le team. Allez, fait que juste Sammy, Fred. Fait que si c'est Fred, c'est lui qui fait des bonnes jobs ou tout le monde en fait? Yeah! Ah, oh, c'est bon. Ah, c'est Sammy! Ah, oh, tabarnage. J'aurais voulu, j'aurais vraiment voulu que la prod fasse « OK, on envoie Fred » pour tout faire les bonnes jobs, les sales. Rouge FM, la radio officielle d'Occupation Double, avait envie d'offrir un petit moment de discussion à deux personnes des maisons. Oh. Alors, aimeriez-vous savoir de qui il s'agit? Oui! Ouais. Il s'agit de Mathieu. Donc, la personne qui va y aller est Rebecca! Il y a un petit talk! Il va avec... Mathieu! Bonne date, profitez-en. Merci! Genre, je veux pas être plate, mais c'est tellement plate, cette date-là. Bon, les voyages, les autres, c'est comme... Allez, jaser, je vais voir la piscine. OK. Check me, ils vont te faire partir avec Anthony encore! En tout cas, on est sûr que vous deux, ça marcherait pas. Exact. On se l'est dit, en plus. Mais vous êtes quand même flirté. Une fois sur le poteau! LOL. Oh! Faut que ça meure, ce truc-là. Faut vraiment que ça meure. Merci! Merci. Oh, la date! Wow! Ah, je me sens mal pour eux que leur date, elle soit juste ça. Dans le sens, ils perdent une date pour aller s'asseoir sur le patio. Ben, t'sais, c'est un petit moment, là. C'est correct, là. Ouais. C'est correct. Avec Rebecca dans un endroit très confortable. Avec... Ils ont retour. J'adore quand ils rient. C'est sick, hein? Ouais, t'es content? Les gars étaient comme, c'était tellement nice, là, avec eux. C'est vrai? Ben oui, ils ont capoté. Genre, ils m'ont aimé? Ah, ils étaient off qu'on vienne, là. Ils auraient préféré vous garder. T'as qu'à oublier ça. Les filles, ils t'aiment tellement, là. Non, mais tant mieux. C'est genre, cool. Vraiment, là. À quel point t'aimes, je t'aime difficile. Mais c'est loin de le pire. Ouais, ben c'est pas le moins hot, là. Ouais, mais moi, je comprends pas, moi non plus. C'est de leur perception, en plus, qu'ils ont tout voté ça, c'est spécial. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, mettons, à l'extérieur, pas mal? Pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Soit job, soit je sors. Puis entre les deux, tu sais. Mais t'es quand même aventurier ou pas tant? Moi, je suis dans de tout essayer. Ouais. Fait que j'ai hâte de toute façon. On va revenir en plus en hiver. Ah, c'est vrai. Ça va être vraiment cool. Est-ce que tu patines? Matt qui me dit si je patine. Ben, je sais patiner. Ah, ça, toi, cool, t'as-tu joué au patin? T'as-tu joué au patin? Non, je suis pas OK. Mais je vois pas du monde beaucoup. Je suis un peu stressée quand t'es là. Oh. Laurence, elle a dit, en tout cas, Matt, il te voit dans sa soupe. Là, je dis non, il me voit dans sa viande hachée. Oui, je sais. À la télé, tu l'as demandé. Est-ce qu'il mangeait de la viande hachée? Ouais. Ben oui, il en a mangé aujourd'hui. Avec la moutarde puis du ketchup. Straight up comme ça. Toutes les choses que tu fais d'un peu... C'est ça, ça doit pas être mauvais. Non, moi, j'aime c'est ça, ça doit être quand même pas pire. J'aime ça, c'est gâché. C'est comme un burger, bon. Mais comme... Ah oui, moi, ça, je trouve pas ça bad, c'est pas dégueu. Comme ça, j'ai entendu dire que t'as créé un peu la marde avec Marie-André. Si Rebecca allait vers lui, il l'aurait pas, dans le fond, refusé. Comment t'as eu l'information? C'est une petite bouche qui m'a dit ça dans l'oreille, puis c'est ça. Oh, OK. Je suis de même. On a juste une petite conversation, puis elle m'en parle après. Elle est comme, j'ai pas fait un big thing avec ça. Je sais pas pourquoi il en parle autant. Ah, ben en tout cas, Anthony aussi a déliré, t'en as pas parlé? Non. OK. Pourtant, j'ai des conversations avec Marie-André, puis elle me dit que c'est vraiment anodin pour elle. Ah, pour vrai, je trouve ça plate. Genre, j'ai vraiment hâte d'apprendre à te connaître plus que ça, puis que ça soit comme naturel, etc. Ça va arriver. J'en doute pas. Ouais. Dis-toi juste comme. Master, oh my god, tu peux pas croire. Dans une ville, j'ai vraiment fait de quoi de fou de même, mettons. Ben non, zéro. Puis il faut vraiment profiter de chacun des moments, puis de pas avoir autre au prochain, de le vivre à 100%. J'ai bien hâte. On a levé la couverture, on s'est donné des bisous cachés. Kiss et pénis! Aïe!
pas de coussin d'extra pour se cacher, mais la couverture, c'était assez. Des bisous! Tu manques là-bas. Un mix de passion et d'enthousiasme dans nos becs. Tu cachais même pour se rendre juste un peu weird. Hey, on dirait que des fois, je me dis... Moi, je repense à mes parents qui écoutaient notre saison, genre, puis je suis traumatisée. Mais on faisait pas ça. Non. Mais voyons, est-ce qu'on allait s'enfermer des toilettes? Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Genre, mes parents devaient être comme... I forgot. Pour la mère, elle devait être comme... What is happening? Ma mère, puis mon père... Ah, il envoie sa queue! Ta grand-mère qui était comme... Ouais. Puis ma mère qui devait retourner à l'hôpital après pour travailler, là. Puis elle va être comme, on peut-tu juste arrêter de parler de ça, man? C'est épouvantable. Ma mère m'a dit que ça l'a ruiné sa vie sociale à l'hôpital. Je me sens mal avec ça, ma gueule, pourrait. Hey, ça, là, c'est comme. Vraiment oublié. Ma mère à l'hôpital, là, elle travaille, elle comme gestionnaire de département. Elle gère les médecins, puis elle comme entre les médecins, puis les infirmières, tu sais, elle gère les deux bouts. Puis elle disait qu'à chaque calice de nouvelles personnes qu'elle croisait, quelqu'un lui parlait de ça. Puis elle était comme, on peut-tu juste. Travailler. Mmh. Êtes-vous ennuyé de moi? Ouais. Vraiment gros. C'est vraiment le fun pour vrai. On dirait qu'on s'embrasse comme, je sais pas, j'aime ça. Comme plus, genre, cutie, genre, ouais. Je suis contente. Ah, t'as l'air contente. Ouais, t'as l'air bien, là, t'as les petits yeux. Tu vas bien dormir. Ouais. Bien dormir. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas tant parlé. J'ai dit comme ça, t'as dit quelque chose à Marie-André. Ah. Mais ça a l'air que t'aurais dit, genre, que Cyril a fait un oh my god. Il dit, ben, tu sais, ça s'est rendu quand même jusqu'à table, ben, Calcia, tu sais. Il dit, j'ai rien compris de ça. J'ai dit, vous en avez pas parlé en gros? Il dit, non. J'ai l'impression qu'il comprend pas grand chose. Il est comme, tu sais, ça dit, là. Ouais, il s'en fait pas trop avec. Elle pourrait-tu juste go next là-dessus? Ben, je pense parce qu'à OD, t'as juste ça à faire. I guess. J'arrête pas de chialer, j'ai tellement hâte de tout le temps te voir et de continuer genre, de parler. Puis elle dit, fais juste te rappeler qu'en sortant d'ici, tu vas dire, j'ai fait ça, puis tu vas regretter d'avoir chialé dans ces moments-là au lieu d'enjoy. Puis j'ai fait, c'est vrai. C'est fort. La bonne nouvelle Rouge FM, c'est ça, d'en profiter. Il est un petit peu chialeux, mais moi, j'arrête pas de dire, là, arrête, là. Mais c'est cute parce qu'il veut passer du temps avec toi. Non, je sais, mais là, j'ai dit, Mathieu, j'ai dit au pire, c'est pas grave, là, on va avoir tout le temps après, puis il était comme ça. Mais les seules fois que j'ai entendu chialer, c'était pour ça. Oui, ouais, mais moi aussi, c'est là, mais... C'est juste par rapport à ça, ouais. Oh! OK. J'espère juste qu'il se rende loin, comme ça, on va le voir là, plus. Mais j'aime bien, je veux voir plus. Non, mais c'est le voyage. Je veux voir plus. Les garçons! Y en a-tu parmi vous qui ont envie d'un voyage? Marie-André! Cette semaine, on va faire Truly. On envoie un candidat et une candidate de l'autre côté de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique. Antoine, il a été choisi à pays de l'Afrique du Nord. Et j'ai nommé... Le Maroc! Oh, wow! Samy? Un gars et une fille ont visité la ville de Nador. Situé à l'est de ce merveilleux pays arabe. Oh, wow! En même temps, Samy, il vient du Maroc. Genre, il voudrait pas aller le visiter. Et étant marocain, non, il était qui crée ça, c'est sûr qu'il est allé là. Imagine, là, il manque une fille avec elle, ça match à côté. Ouais. T'envoies pas fucking Laurence, man, qui va faire sa crise de germe. Ben non, mais là, long. ça par rapport, là. Laurence, elle a eu trois ans. Non, mais Claude, imagine, mettons, que lui, il est né là, mais il vit au Québec depuis longtemps. Ah, mais là, c'est sûr, c'est Samy pis Céline Nou d'abord. C'est sûr qu'il soit allé pis là, peut-être qu'il l'a pas découvert lui-même, le pays ou l'autre. Je sais pas si encore la famille là-bas. La fille Samy! Ou Marie-André. Céline! Ah! There it is! C'est le deuxième voyage de Céline. Il va avec qui? Céline. Il va avec... Samy. Yeah! C'est vraiment au Maroc, à la maison. Tellement content, vraiment. Là. C'est sûr que ça fera pas tard de passer du temps ensemble. Ça comme vous savez, il y a quelques... On dirait que j'imagine pas Céline embrasser quelqu'un. Non, mais ça va se concrétiser, c'est hot. Mais on dirait que j'imagine tellement pas Céline embrasser quelqu'un. Allez où, Fred? Ouais. Fred, Ali. Ali, s'il te plaît, j'espère que c'est toi. C'est Fred. Les gars! Yeah. Les filles, Énergex par Adrien Gagnon envoie... Deux d'entre vous! Ah. Oh. De l'énergie. En allant jouer au padel! C'est un sport qui s'apparente au tennis, très populaire ici en Espagne. C'est même le... Ça éclate, mais c'est BS, là. Ouais, c'est genre du bébé tennis, ça. C'est un peu BS, ça. C'est plus gros que le ping-pong, mais c'est plus petit que le tennis. Simon Anthony! Oh, yeah. Ok, Simon Anthony, le padel, c'est un sport qui se joue en double. Ah. Donc, vous y allez en double date. Mia et Marie-André. Activité
avec Adrien Gagnon. C'est you, genre, à sortir avec Adrien Gagnon. Ouais, ça fait plaisir. Merci Adrien Gagnon. Adrien Gagnon, c'est pas les médicaments pour les vieux, genre? Moi, je pensais qu'Adrien Gagnon, c'était les colliers pur noisetier, là. Oh non, c'est ok. Exact. Là, je m'ennuie, là. C'est con, là. C'est je Vince? Je là, ouais. Mais là, c'est normal. C'est peut-être là pour demain, pour vrai. J'espère. Je pense que je vais lui demander qu'est-ce qu'il a répondu quand il a demandé, genre, vous êtes on est quoi? Peut-être que vous allez être en couple demain. Non, mais je vais lui dire, genre, oui, 1000%, mm-hmm. mais comme je voudrais pas que ça lui mette de la pression à mettre un titre parce que moi, ça me stresse pas cette affaire-là. Ça t'apporte rien de plus. Mais à cause que j'ai eu une semaine avec de colocation, on dirait que je serais très à l'aise de dire que parce c'est mon chum. Parce qu'une semaine de colocation 24/7, c'est l'équivalent de 2 mois de dating. C'est ça, c'est beaucoup. Même t'sais. 3, peut-être. Ouais. Pas que j'y croyais pas, mais genre. Mais ça reste quand même surprenant. Ça, c'est surprenant. Tu sais, genre, je savais que j'allais rencontrer quelqu'un, j'allais bien m'entendre, mais genre. À ce point-là. À ce point-là, non. Yo, guys, by the way, pour ceux qui ont aussi checké, en mettons quand ça jouait, notre saison à nous deux, by the way, à moi plus clos, là. Mm-hmm. Réponds honnêtement, s'il vous plaît. Qui ici n'y croyait pas? Tout le monde. Qui ici présent? Vous, là! LOL! Qui ici n'y croyait pas? Moi. Je crois toujours pas. That's my guy. C'est so, gars, guys, let's be real. On avait l'air too much, hein? Yeah. J'espère que tu vas avoir du fun en arrière avec, man. Je pense que ça va faire du bien, hein? Voir Céline en one-on-one, parce que j'ai pas tant vu en one-on-one. On dirait un personnage pour nous, vu qu'on n'est pas comme habitué, mais, ouais. Non, mais comme c'est son personnage. Céline joue Céline. Je me questionne surtout sur est-ce qu'on est rendu à la même place dans la vie, genre. Pouvoir rentrer chez ses parents, genre, après, le soir après le souper, genre, comme. Saluer sa mère, rentrer dans la chambre en bas, on dirait que c'est pas un vibe que je veux revivre, là, tu sais. Ouais. Mais ça, c'était quand t'avais 18, t'allais chez ta blonde, ouais. Là, tu sais. It is what it is. Ouais. Et ça, c'est cringe, je m'en compte. On le vivait, toi, puis moi. Ouais, mais quand. Ouais, mais. T'habitais chez tes parents. C'est pas pareil, là, tu sais. Ils nous laissaient full d'espace, puis ils étaient tellement nice avec mm-hmm. nous autres. Rien de penser à ce qui se passe dans 3 ans, là, tu sais. C'est comme est-ce qu'on a un intérêt possible en ce moment, oui ou non, à développer ou pas, puis d'adit, là. Dire, on se casse pas trop la tête non plus. Pas commencer à, genre, mettre dans un coin, faire des popsicles au parfum, puis t'es donné. Définitivement, Antoine, il voit pas le futur avec. Oh my god, c'est qui dit il rit dans rien de rire, il dans rien de rire de vie, tu quoi. Pas commencer à genre mettre dans un coin, faire des popsicles au parfum puis donner puis genre tu la tes cuisses là, puis genre puis pendant 2 heures là, c'est pas mon genre là, genre c'est... Non mais des popsicles au parfum. Non mais je comprends le monde qui veulent faire ça me dérange pas puis profitez-en, mais comme moi c'est pas mon vibe. Je comprends pas, man. De quoi? Eh, mettons, j'entends des débriefs, genre, mais c'est genre, ils parlent déjà, genre, d'habitants ensemble. Ouais. C'est dans la vie. C'est ça. Mais lui, il a l'air frette comme un glaçon, man. Ouais. Of course, c'est quick. On se rencontre, bing, clos. Imagine. Ben, on est tellement imagine, on se donne la main, enchanté, avec le même élan, on se french, puis en repartant, on s'en va habiter ensemble, tu sais. Ben, c'est ça qu'on a fait. Ça, je te dis. Ça peut paraître pas cool. Ouais, mais moi, j'y crois à cause de nous. Tu sais, genre, vu que je l'ai vécu avec toi, ouais, mais je le sais que Claude, c'est possible. Tu me dis, avant qu'on se rencontre, que ce qui va arriver, je vais être comme, t'es un esti débile, dude. Mm. Que dans la vie, quand que t'aimes quelqu'un, tu te poses pas des questions à on est-tu prêt à aller vivre ensemble ou pas, t'es prêt parce que t'es comme, man, je m'en calisse, on va le vivre, pis ça va être ça. Mais tu sais, chacun son pattern, oh, for sure. Oui, t'sais. Chacun son pattern, mais tu sais, nous, on s'est pas posé de questions. Mais je comprends pourquoi il est de même. Ouais. Un glaçon, mais je comprends. T'es posé pourquoi. La question quand t'es sorti d'OD, genre, est-ce que je vais habiter avec Claudie ou je reste comme chez mes parents, t'es-tu posé la question? J'ai pris pour acquis dans ma propre tête que peu importe t'allais où, j'allais être à côté de toi. My love! Autant chez tes parents, autant chez, excuse-moi, chez, avec ta coloc, ouais. qu'à ton appart, que, t'sais, on allait se trouver de quoi ailleurs, anyway. Là. Et moi, je suis d'accord avec toi 100%, c'est pour ça, genre, j'ai dit à Alex, j'ai dit, ça fait un mois que je te connais, mm-hmm. j'ai dit, pour moi, on est au stade. Un stade embryonnaire. Ça veut dire quoi? C'est ce que tu dis tout le temps, ça. C'est comme un stade, genre. Quand ton spermatozoïde féconde le ventre de la jeune dame, avant que ce soit un fœtus, tu sais, c'est un embryon. Hello, guys. My name is Maxi. I'm gonna be your instructor today and I'm gonna teach you a little bit. Maxi compagnie. We got le panier moins cher. Épicerie in Québec with your name. Home to play pilot. On arrive sur le terrain, on rencontre Maxi qui est un coach, qui est expérimenté, oui, c'est un ancien joueur professionnel. The ball cannot hit nothing direct. Always the ball gotta bounce. Mais oui, dude. We're gonna do some controls and then we play. Yeah. All right. J'ai rien compris du tout. Moi, je pensais que ça marchait comme un peu du ping-pong. Comme le ping-pong. Pas tant comme le ping-pong. What we're gonna try to do is just some controls here, OK? Et le ping-pong, ça ressemble un peu à du tennis, sauf qu'on peut utiliser le mur derrière nous et sur les côtés aussi. Ça rajoute un peu de challenge.
OK, guys, you're ready? Ça va être fucking bien jouer ça, bro. On met un petit peu de piquant dans notre game, fait que l'équipe qui gagne a la date. Rock and roll. Parfait. Dites, genre, que. Mais oui, les c'est sûr que. Mais oui, c'est sûr que. Hey, Mia, c'est une si bonne idée! Mon dieu, mais Mia est bonne actrice, là. Yo, Mia Dan! Oh mon dieu! Point! Je dirais que moi et Simon, c'était un désastre. Hein? Ça commence, mais. J'avais pas cru! On garde espoir. Oh my god, tout le monde fait rire. Le vent était pas de notre bord, puis on avait le soleil d'en face. Pour de vrai, Marie-André faisait des excellents services. Je l'ai. Oui! Le reste, par contre. Est-ce que Marie-André et Anthony, c'est genre le couple de vieux? Point! 2-1. Je suis quand même quelqu'un qui aime pas ça être mauvais. C'est top de s'en aller de bord. Ça feels bad. Faire de quoi de pas pire, là. On monte ça 4-2. It's 4-2. Vas-y. Oh non! Les raquettes avec les tuyaux. Moi, t'es voulu. Cochon, je voulais juste faire un coup de standard. Regarde, y'a rien de fini tant que c'est pas fini, peu importe le match. Vas-y, Mary. OK, guys, 6-2. You're the winners. Pour une excellente performance de notre part. C'est pas grave, le plaisir. Ils ont joué 5 minutes. Ouais. 6, 8 points. C'est épouvantable. 8 points total. Ils ont littéralement joué 3 minutes, en fait. God damn! Faut que tu gardes les chandails. Ils ont peut-être chillé un peu à côté. Toi, t'étais-tu content de savoir qu'on avait du padel? C'était cool. Combien sur 10? Pour vrai, 10 sur 10. OK. No skills, quand même un bon 3.54. Je suis juste bien, on dirait. Je suis juste... On dirait que j'ai rien à dire. Ouais, on pourrait rien se dire. Là. Ouais. Est-ce qu'on se fixe pendant une minute? OK. Puis on essaie de pas rire? Toujours autant... Non, non. Cute et malaisant. OK. Premier, qui rira. Oh, il joue à la barbe chip comme les. Ouais. Super date. C'est bon. C'était le fun. Belle complicité, Simon pis sa sœur. C'est vrai que c'est cute. Un moment familial, c'est tellement hot. Prochaine émission, ça pourrait briser des couples, malheureusement, mais. Bon, c'est parti du jeu, là. Je suis sûr que ça poche. Y'a dedans ou pas dans le jeu, je vais continuer à prendre le canac. Fait que. Ouais? Carte sur table. Genre? C'est mis ça à la table. OK, ben moi aussi. Je trouve ça mime. C'était cool. Pour vrai, j'aime toujours nos dates. Même si on est malaisant. Ouais. C'est sérieux ou tu niaises? Même si on est malaisant. Tu fais ça pour la caméra ou tu niaises pas? Je le fais pour toi et la caméra. Ça va être super différent quand on va être à l'extérieur des maisons et qu'on n'aura pas de caméra. Là. Il risque d'avoir peut-être un peu moins de gêne, là. J'imagine. Mais c'est pour rester ensemble. Mais ça serait fou? Ils gagnent un show, en fait. Ils sont au final, je vote pour eux. C'est la première fois qu'une famille gagne. Ça va être fucking nice. T'sais, on s'entend que, mettons, si demain matin, ce serait un couple qui gagne, je pense que le couple qui est le plus probable, c'est Vince pis Lara. Ouais, mais c'est ça que je trouve poche, man. C'est que gros, c'est quoi? Pour gagner, faut que tu sois extra cringe, genre, c'est quoi? Ouais, mais il y a une de hey, plus qu'Antoine parle, plus qu'il me fait penser à toi. No joke, plus qu'on voit Antoine, plus qu'il me fait penser à toi. Genre, c'est crazy, on dirait toi. Ben, c'était quand même funny. C'était hilarant, justement. Ça mais pourrait... tu sais, il est comme, c'est quoi, Big? Faut être extra cringe. Mais ça, c'est vrai que c'était drôle. Mais parce que, tu sais, dans le show, t'es comme, calcule l'amour aussi. C'est démonstratif, c'est ouais. Super on le fait. C'était pissant, ça. Mais c'est vrai que c'était fucking drôle. C'était drôle, ok. C'est ça que je trouve poche, man. C'est que gros, c'est quoi? Pour gagner, faut que tu sois extra cringe, genre, c'est quoi? Oh, ouais, mais il y a une ça pourrait être un film de notebook, là. Ah, oh, mais dude, toi, pis ton autre chum, là, on voit. C'est pas sûr que toi, pis Alex, de dire ok, autre, là. Mais... Tu sais, c'est comme. Faut être divertissant et cute, mais si tu vas dans un couple, va le donner à eux qui ont l'air de s'aimer pour vrai, tu sais. Ça que tu délibères qu'un couple est plus affiché qu'un autre, c'est pas d'accord. T'sais, moi, je suis pas de même, je serais jamais mal toute ma vie. Alex, j'aurais pas été à l'aise que moi pis elle, on soit rendus au même stade que Lara pis Vince parce qu'elle est pas comme ça. Mais tu défends un autre point, tu défends autre chose, tu défends ça différemment. Dans ma tête non plus, c'est pas parce que t'es plus colleux que tu t'aimes plus, ça n'a pas rapport. Ouais, mais t'sais, Antoine, l'amour, c'est. Antoine, il est stratégique, là. Je comprends ton point. T'es genre moins démonstratif, tu veux dire? Ben oui, 100%. Pour vrai, t'as un point que t'es le seul à avoir, là, que t'as vraiment pris ton temps. C'est, ça vaut autant que ah, j'ai un coup de foot pis je me mets. Ben moi, je pense exactement comme ça. Là, t'es all-in, Laurence. Ish. Je veux dire, si on a la génétique, je vais prendre Laurence pis on va chiller pis on verra ce que ça donne pis ça sera juste des amis au pire pis s'il se passe de quoi, il se passe de quoi. Mais t'sais, genre, Big, j'ai juste pas eu de flash, genre, j'ai juste pas eu de coup de cœur pis ça aurait été facile pour moi d'aller.
Hey, pour vrai, sortez-le tout de suite. Ça fait 150 fois qu'on dit, il y a pas d'intérêt, il y a du monde dans le chat qui sont comme lâchez-le, il prend son temps. Asti, man, ça paraît qu'il s'en calisse. Et Laurence qui est des loulous puis qui se dit, oh ouais, ouais, moi je pense qu'il y a un intérêt amoureux. Voyons au tabarnak. C'est l'élastique le plus tiré, il va lui péter dans la face. Ça, c'est cringe, man. T'sais, moi là, c'est pas une compétition de genre prouver que mon couple vaut plus qu'un autre. Je pense pas à genre, oh, faut que j'aille l'embrasser parce que sinon, mon couple a l'air moins fort que l'autre. Non, mais là, on s'en fait encore là. Genre, je pense pas à ça. C'est tellement weird, man. À venir à Occupation. Jérémy puis Laurence, je m'excuse, mais là... C'est juste poche pour eux, puis c'est assertif, puis c'est pas bon, tu sais. Mais mettons que Laurence y croit pour vrai, genre, mettons que Laurence, là, elle fait pas la stratégie. Mettons qu'elle y croit pour vrai que Jérémy, il y a un intérêt. Elle croit pas, elle dit la même chose que son nom. Elle est comme, m'ennuie pas devant lui, puis s'il fallait choisir un double pour son look, ça serait Samy. C'est vrai, ouais, ça va. C'est comme à quoi, bon? Wow. J'ai senti l'énergie rentrer dans la pièce. Jax! Puis, j'ai gagné! Attends, là. Oh, attends. Oh, y'a-tu une toile, on dirait? Non, c'est pas vrai. T'es arrivé là-bas, on était comme sur un beau petit terrain. C'était pas du paddle, c'était du padel. Oh, padel. Ça ressemble quand même à du tennis, mais Mia trouve que ça ressemble à du ping-pong. C'est pas comme un petit mec des deux. Fait que les autres qui ont gagné, ils ont eu une petite date. Les filles, c'est pas vrai, gros, ils disent qu'ils ont fucking réagi puis qu'ils ont débuzzé. Ça, je me demande. Ils ont vraiment réagi. Pas, genre. Ils ont mordu à la maison comme nous, là. Qui pensait? Ben, ils ont sauce Alex. Puis Alex. Ils ont sauce les filles, eux. Ouais. Comme nous, là, on a sauce les gars, là. Ouais. C'est la double date, moi, j'ai trouvé ça, c'était parfait. Moi, j'ai trouvé ça tellement nice. J'aurais pas été avec quelqu'un d'autre. C'est ma plus belle journée à OD. Je souriais, j'étais un enfant, là. Moi, ça m'a rechargé ma batterie, là. Tu sais, ils ont pu passer beaucoup de temps, vraiment. Ouais. Ben oui, ils sont partis, pis tout, ouais. Ils ont dû aller en vendre là-bas, pis ils ont dû jaser les quatre ensemble. Écoutez, on s'en venait seulement à vous annoncer. L'élimination. C'est un doux. Rien du tout. On s'en venait juste vous dire bon 5 à 7. Hey! Amusez-vous, profitez-en. Bye! Et cheers, tout le monde! Merci! Santé, 5 à 7. Moi, j'avais surtout peur que ça soit Étoile qui était en couple avec quelqu'un d'autre. C'est genre. C'est Anthony, je te jure, je m'en vais à SPCA, je prends toutes les shops. J'ai dit, je peux pas croire que c'est Marie, mais j'ai dit la même affaire que toi. J'étais là, je m'ouvre pour la première fois à 3 ans et demi une fille. Là. Oh. C'est elle, là, je referme ça. Mais là, avec qui j'aurais sorti ça, toi? Je sais dessus, moi. Puis plus que tout ce que j'aurais espéré. Donc... Ce serait pas de toi, je serais pas bien ici. On est-tu qu'à terme? Penses-tu? Non, non. C'est pas en tout. Ils sont tellement moins dégueux, par contre, là. Mais c'est parce que eux, c'est comme différent. Mais eux, ils sont comme. C'est plus comme. C'est du vrai monde, genre. On n'est pas fondus comme deux gus l'un dans l'autre. Mais on était de même aussi. On était de même, non? Je sais pas. Anthony et Marie-André, ils ont eu des chicanes, fait que c'est le fun. Non, mais moi, toi aussi, je trouve qu'on ressemble plus à ça que Vincent Lamy. Vincent Lara. Moi, je sais que je suis en danger, puis je m'attends à quitter. Là. Je suis vraiment pas. Je me mets pas à tête d'ensemble, mais comme. On dirait que je suis mélangée entre me dire que j'ai moins ma place que les autres, mais en même temps, si eux, ils sont vraiment pas sûrs, puis ça fit pas. Ben, moi, je vais rester ici avec toi, tu sais. Samy, moi, il me l'a dit, il dit que c'était pas son genre de genre tomber en amour directement. Puis. Samy, il est beaucoup, genre, il met des chiffres, là, sur tout. Mettons, puis il dit, tu sais, les chances, mettons que ça fonctionne, c'est 30%. Puis c'est même là, Samy, puis Céline, c'est juste, tu joues pas parler pour eux autres, là, mais je pense pas que ça va fonctionner. Ouais, on va voir, ils sont partis en voyage, en Maroc. Je suis contente pour Céline, elle était vraiment contente. Samy aussi était contente. Penses-tu qu'il va y avoir des rapprochements? Je sais pas. Moi, ça me ferait plaisir de rester ici une autre semaine de plus, tu comprends? Mais je me battrai jamais pour faire valoir nous contre les autres. Quand ils ont dit le Maroc, j'étais genre... C'est une place que j'ai pu visiter, là. Maroc, j'aurais été méga down, 100%. Du moment que je t'ai dit que je t'aimais dans ma tête, c'était comme si t'étais mon chum. Ben moi, je t'ai dit, t'es ma blonde. Je l'ai dit. Mon chum? Lara et moi, on est le premier couple officiel d'Odé Andalousie. Ouais. Mais j'ai hâte, là, d'avoir plus de temps. Peux-tu profiter de toi, là? Ben non, mais de se bousqueter, 5 crèmes, ça sent bien mal. 5 crèmes! Il y a juste Anthony pour dire 5 crèmes. Ben oui. J'adore. OK. On a tenté le French. Ça a bien été. C'est quoi qui te fait rire? Je suis bien. Tu ris parce que t'es mieux quand on s'embrasse? Non, je ris parce que je suis pas capable de French. Ben oui, t'es capable. Tu l'as fait super bien. Tu l'as juste pas allé. Tu penses trop avec ta tête. On manque de temps. Eux autres font juste se frencher, man. Ils n'ont rien à dire.
on apprend à se connaître de plus en plus. Okay. C'est mon chum. C'est mon chum. Je suis fière, ouais. Comme j'ai hâte de le présenter. T'es-tu rendu drôle? Ben oui. J'ai toujours été drôle. Non. Même. Non. Ah. Mais tu m'as jamais fait rire. Voyons. Tu m'as jamais fait rire. Arrête. Bon, je vais juste quitter la pièce là, maintenant que tu me dis que je suis pas drôle. Mais là, t'es pas la personne la plus drôle ici. Ah! Tu trouves que je suis pas drôle? J'ai... Oh, oui. Yeah. Est-ce que je suis drôle? Ben, t'es drôle à ta drôle, façon. Drôle? Qu'est-ce que tu pourrais me compter de drôle? Mais moi, je compte pas de jokes. Moi, je suis drôle constamment. C'est ben, drôle, c'est t'as pas remarqué après une semaine. Et moi, je me suis toujours trouvé drôle. Là. C'est pas ta qualité première. Ah, j'ai goût d'écouter leur date. J'ai goût de m'asseoir puis regarder votre date. Laurence, ton premier turn-off chez un quand gars... Quand j'étais allée plus vers Laurence puis Jay, j'étais comme, pourquoi tu poses des questions-là à quelqu'un d'autre quand t'aurais pu avoir ces mêmes conversations-là avec moi? Mon chum. Chris Claude est en Andalousie aussi. C'est ça? Claude, ouais. Merci. OK, lui. Matt. T'es drôle à ta façon. Mais là, pour vrai, je suis quand même j'ai drôle, blonde. Moi, je trouve, là. Wait, what? Tu me trouves pas drôle? Hein? Tu me trouves-tu drôle? Non, je parlais de Mia Capoté. Ah, ouais, ouais. Okay. Ouais, t'es drôle. Mais toi, tu me trouves drôle? Ouais, t'es drôle. Sans... Pour vrai. Ouais. Promis? Pinky swear. C'est my love. Tiens, je vais te donner un bec, je suis trop drôle. Je suis trop drôle, Clou. Okay. T'inquiète. Lara Pivine, c'est jamais prêt. Ah, pas moi. Ah! Oh. Genre, je veux pas te dénigrer ou rien. Oh, c'est pour comme... moi! Oh mon Dieu, mais Antoine pis Alex sont zéro, c'est la même longueur d'onde. Genre, Antoine, il bitch tout le temps pis Alex est comme, mais on va voir ce qui se passe entre Céline pis Samy. Genre, tandis qu'Antoine est comme... Je vais pas parler pour eux, mais ça marchera pas. Il dit ça, en plus. Fait que... Lara pis Vin, c'est jamais prêt. Ah, pas moi. Genre, je veux pas te dénigrer ou rien, c'est comme... Mm. Genre, je trouve ça vraiment... J'y trouve vraiment cute, mais c'est juste que... Oui, chacun je me vois pas frère. Faire ça. On est moins... Ouais. Moi, je suis plus genre chilling. C'est ça. Genre, je me vois pas comme prendre une fleur, mettre du parfum dessus, pis t'as donné, genre, pour vrai, comme je serais pas capable d'être sérieux. Là, je vais dire quelque chose de gigantesque, là, OK? Mais tu sais, Antoine, c'est un peu comme la... pas la bonne raison, mais t'es comme... I guess, t'sais, Vince, c'est comme vraiment à l'extrême de... Mais c'est très cute, tu sais. Antoine, il est trop sec, pis Vince, il est trop comme... Ouais, un bord des deux, c'est this fucker, ouais. Right genre, there. Genre, j'aime bien mieux fucking Vincent qu'Antoine, voyons. C'est... Ouais, pas sûr. Mais tu sais, le bougon, là, il est un peu. Tu sais, il a l'air comme des jaloux, hein, c'est ordinaire. Si il me mettait. Mais je pense qu'il est là. Des biscuits aux pépites de chocolat, mais genre, vraiment des bons, là. Mm-hmm. Mais je choisirais quand même de rester collé. Wow. Je trouve que ça avoue un peu de sentiment, là. Je t'aime plus que les biscuits aux pépites de chocolat. C'est trop cute. C'est bien. Mm-hmm. Si moi je répète ce que j'ai dit tantôt, puis que c'est la première fois en 3 ans et demi que je tiens à quelqu'un. Je suis venu à OD en pensant pas être capable de développer quelque chose réellement. Guess what, je suis en train de développer quelque chose réellement. Arrête, j'ai des frissons! C'est cool, c'est un meuble de briques. Le gars, c'est un meuble de briques. Il est actually, lui, il est cool en esti, là, parce qu'au début, il avait vraiment l'air d'une roche, là. Non, je les aime tellement, eux autres. Il avait vraiment une roche, puis là, le gars, il s'exprime bien. C'est une roche qui s'exprime très bien. Sérieux, je les trouve trop cute. C'est quoi qui se passe avec Laurence pis Jay? Il pose des questions à Laurence, pis comme, Big, c'est tellement des questions qu'on aurait pu se poser ensemble. C'est quoi, genre? Elle t'a dit qu'elle avait des tocs. Ben, je comprends, Nesty, que comme, pourquoi, genre, on est supposé avoir un moment ensemble, pis toi, tu t'en vas passer un moment avec ton coloc. Mais faire le bébé en se poussant ses poches aussi, là. Le gars, il chill, il est content d'être là, pis toi, t'as pas aimé ça. Ah, come on, au moins, il fait de quoi de cool, là. T'sais, lui, il s'amuse, là. Moi, il relaxe, là. Mais t'sais, entre frère et soeur, des fois, c'est dur, là. Real talk. Ouais, comme ça. Ah, ils sont tellement cute, ces deux-là, pis ils fit tellement bien. Genre, je les vois dans la vie ensemble. Un peu. Sérieux? Oui. Ok. On va avoir peur des convos pour on y va avec un sujet profond, deep talk. Qu'est-ce qui te fait le plus peur en ce moment de la relation qu'on développe présentement? De quoi t'as le plus peur? T'as-tu peur que. Check le bon, hein, qui a l'air en full de fun. On le voit jamais! Ouais, non, je sais. Check comment il a l'air de triper. Check les quoi qui a ri, pis tout. Il a l'air full attachant, on le voit c'est jamais. Pour vrai qu'on check le voit les! Pas. What the fuck? Il existe pas, maintenant, dans c'est le vrai show. Que c'est plate en esti qu'on le voit pas. Notre différence d'âge. Okay. Que tu me trouves bébé. T'as peur de ça? Ouais. C'est qui t'as peur? Ok, je commence à te dire. C'est quoi? Peut-être le différent genre, mais pas parce que je le trouve bébé. Au niveau de ce qu'on est rendu dans notre vie, genre. C'est le seul genre hic, pis c'est genre un chiffre, mais... T'as dit un hic, là. Non, c'est pas bien un hic, là. Le hic, mais dans le sens, qu'est-ce que je dis comme mot? C'est le seul point qu'il y a, comme ah, un point d'interrogation. À la 22, j'ai 28. C'est un gros gap, là, quand même. Là. On va revenir dans nos vies. On aura peut-être pas des cercles d'amis avec la même âge. Je date personnellement pas des filles
plus jeune que moi. 22, mais presque quand même un gap. C'est sûr que c'est une crainte, genre l'âge. OK, bye. Eh là là. Je veux qu'on ait des vrais combos. Oh, une vraie combo. Oh, fuck. Ils se rendent compte qu'ils sont pas faits pour être ensemble. Non, mais comme, oh, tabarnak. Ben, clairement, ça marche. Bye, bye, bye. Genre, je veux pas être clash, mais... Qui est déjà turn off par l'âge, ça va y trotter dans la tête tout le temps. Non, mais, Chris, tu peux pas le savoir dans le show, ouais. Là. Il y a pas de responsabilité, quoi de genre, tu sais, c'est comme... I don't know. Ouais. Yes! Yeah, yeah. Thank you, Case! Fait que, première chose, cheers, boys. Cheers, honnêtement, cheers. 5 à 7, vraiment ouais. Chill. Hey, pas vrai, meilleur 5 à 7. Il y a juste à la fin quand... Ouais, Matt, t'étais tellement drôle pendant 5 à 7, là. Je t'ai vu rire, là, derrière les cams, là. Si, je me sens tellement mal. Dude, c'est tellement BS! Après, je vais juste dire de quoi, puis je vais leur dire, je l'ai dit dans le podcast, prends un break, ça, on en a parlé chiant, il y a deux semaines. Ouais. Mettons que la prod le met pas de l'avant à cause que le gars, il est abonné à des pages comme Trump et à Andrew Tate. Je trouve ça fucking pas juste qu'on le condamne parce que... La prod a des idées politiques qui diffèrent de lui. Dis pas que je suis vraiment pas pour ça, mais ben dans le sens que Chris, chaque personne est différente. Vous pouvez croire ce que vous voulez, je m'en calisse, c'est ça que je veux dire. Mais là, non mais Nick, mais ça a pas rapport. On dit bye, tout le monde s'embrassait, moi j'étais là. Bye bye bye. Mais la tapisserie est vraiment belle. Hein. Je savais pas regarder. Mais ça, mais j'étais sûr que t'allais Frenchie aussi en plus. Ah mais j'ai Frenchie, t'as pas vu? Non. Ouais, j'ai Frenchie. Frenchie quoi? Matthew Lee. Frenchie quoi? À part, genre, je sais pas, c'était genre différent aujourd'hui avec l'eau, genre, c'était tellement genre un bon vibe, genre, c'était relax, maintenant, ah ouais? On parlait, puis genre, pas de stress. Puis on a parlé aussi d'élimination, si vous voulez savoir, là, tu sais, on se considère relativement égal à Samy et Céline avant leur départ. Vous êtes égal, OK? On sait que ça va se jouer entre moi, lui et Samy et Céline. On trouve pas qu'on a plus à valoir. Puis j'avais oublié qu'il était beau. Fait qu'il est très beau. Je le sais. Il est beau, mais il peut être moins beau que Sam, pareil. Ouais, c'est ça. Non, non, Florian, la prod du zéro Alicia, là, la prod, c'est. Chier. Vraiment. Non, mais bon, on en parlait autrement. Puis, moi, j'ai jamais douté, en fait. J'ai à choisir, je m'excuse, mais c'est sûr que si, mettons, il y a Sam et Uji qui est là, je les aime bien, mais c'est sûr que je vais prioriser les autres. Sinon, des suspects, tout le monde, mais. Il met une shot quand il défend Matt B. Oh mon dieu, c'est tellement bon. Il va vous défendre, vous, les gars, là. Dans le sens que je sais que je pense que c'est juste comme de la. Là, tu vas me faire pleurer, mais arrête, là. Mais tu sais que je t'aime. Yes, man, pour vrai, mais j'aime tout, en fait, les gars. C'est eux. Khaled, c'est fucking nice, le jeu de. Je mange un cassette avec Anthony. Oh! C'est qui donc, Kim? What a firm! Je tiens à dire que je suis désolé, j'ai été super sauvage aujourd'hui. Je suis encore monté avec Marie, on a juste parlé entre nous autres. Là, fait que... Oh, viens que parler? Ouais, c'est ça. T'as encore du rouge à lèvres? T'as encore du rouge à lèvres? Du rouge à lèvres, tu l'aurais pas. Antoine, tu veux dire grave. C'est sur les madeleines. Antoine, il y a zéro l'ordre de nous, c'est Antoine. Mot, mais j'ai dit que je l'aimais plus que les biscuits. Ah! Lui puis des biscuits au chocolat, j'ai pris mon choix. C'est révélateur. C'est beaucoup un mariage quand il s'attache les cheveux comme ça, j'aime ça. Oh, yeah. On a closé le sujet aussi. C'est absolument rien passé en voyage. On s'est jamais touché, mais j'ai dit à Marc qu'il y a eu un peu de flirt, mettons. Ah. Ouais, ça c'est clos, on n'en parle plus. Ouais, on donne plus d'attention médiatique. Mais les biscuits au chocolat, c'est bon en plus, c'est solide. C'est con, ma dernière activité dans le fond. Sans bonjour. Je me suis fait poser la question, genre vous êtes rendus où vous deux? Après le jeton, il n'y a plus grand chose. J'ai quand même, moi, dans ma tête, c'est ma blonde, mais en même temps, on n'a pas parlé. Et boy, Antoine, ouais. Check ça, il se replace la chemise, il est bon. Ouais. J'ai comme pris le temps d'en parler avec, puis j'ai comme, hey, ouais. Fait que là. Fait que ben, moi, je l'ai dit déjà. Mettons sur Facebook, tu serais quelle relation? En couple. Célébration, puis tu sont bons en Christ. Oh, t'es en couple. T'es en couple, t'es en couple! J'ai un chien. On est folle quand les filles, on entend plus gaga, là. Ouais. On est crazy, man, quand on va arriver. Wow! C'est le jump! Je l'aime. On a vraiment eu un beau séquence. J'aime! Bravo! Les gars, c'est tellement nice. Magnifique. C'est magnifique. 100%. 100%. C'est magnifique. Magnifique. On a officiellement un couple à OD. Ben oui, c'est nous. C'est bien joué, ben oui. Ce dimanche, à Occupation de Dedans. Je suis en Afrique. Ça n'a pas de sens. Bienvenue à ce party d'Halloween. Ce fut très bien. Pourquoi il est en Afrique? Antoine, il est en Afrique? Ah, je sais pas trop. Ah ouais.
n'est pas la nature de l'élimination. Matt P. Il pourrait mettre un couteau dans le dos à quelqu'un. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Voyons. Hein? Ben voyons, il pourrait mettre un couteau dans le dos à quelqu'un.